Bonjour à tous les gamers. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Jesso Gaming pour nouvelle playlist qui va être le catch sur WWE 2015. Donc voilà, c'est l'interface. Donc exhibition, ma carrière, 2K showcase, univers, création, en ligne, ma WWE, option PlayStation Store. Voilà, donc nous on va faire une carrière, donc ma carrière nouvelle. Donc j'ai déjà créé un personnage en fait pour vous éviter justement d'avoir la création du personnage en fait, parce que c'est pas super intéressant non plus en soi. Je veux dire, créer un personnage, bon voilà, tous ceux qui ont déjà joué au catch savent créer un personnage, même dans tous les jeux, de toute manière maintenant tu peux créer ton personnage, que ce soit dans FIFA je crois aussi. Donc voilà, donc je vois pas ça vraiment intéressant, faut mieux mettre du contenu à la place. Donc moi j'ai créé mon personnage qui s'appelle Bilal. Pourquoi Bilal, je sais pas. Voilà. C'est comme dans tous mes gameplays en fait, j'ai vachement d'idées on va dire sur les pseudo prénoms, on va dire ça comme ça. Donc lui s'est appelé Bilal. Donc on va voir ce qu'on va faire avec Bilal. Bilal est un puceau de catch. Donc c'est lui en rouge là. J'espère qu'il vous plaira quand même. My name is Bill DeMott and I'm the head trainer of NXT. As you read on the application, we are only having one day of open tryouts this year. This is your one chance. We will be awarding at least one WWE contract today based on your performance. So you better make me notice you. Everyone at this tryout has some level of training or experience. But we don't care about your resume here. We only care what you show us when the pressure's on and at this very moment. So with that being said, I'm going to pair you up. And you're going to show me what you got in this ring. And we're going to start with you and you. Let's go. I don't have all day. Ok, c'est parti, on va montrer de quoi on est capable. Non mais franchement. Il se croit beau l'autre là. Donc le premier match, non c'est pas un match non plus extraordinaire. Bon ça tranquillou sur les cordes, voilà, y a pas de souci, y a pas de problème. Voilà, c'est ça qu'on veut. On aime bien quand ça commence comme ça. On remet le dos en place. Bon voilà, je suis pas une pro du tout de ce genre de jeu, mais j'aime beaucoup le catch. Voilà, je suis plus maintenant le catch comme avant, mais avant je suivais beaucoup. Donc voilà. C'est tout simplement parce qu'avant je regardais énormément la télé et maintenant beaucoup moins. Voilà, c'est uniquement pour cette raison en fait. Mais voilà, j'aime toujours autant le catch, je trouve ça. Mais c'est pas non plus un sport vraiment, vraiment vrai, voilà, c'est comme ça. Je trouve ça un sport quand même digne. Donc voilà. Après chacun aime ou n'aime pas, de toute façon. Voilà quoi, mais. Bon, on va réussir quand même à le démonter l'autre là. Merde, d'accord, on a coupé un côté. Oui, qu'est-ce que se passe-t-il? Voilà. Ah non. Et en plus, je peux plus rien faire là, c'est un scénario. Je suis pas d'accord. Je suis pas insoumis moi. Je peux strictement rien faire. En tout cas, on remarque quand même que Bilal est très souple. Bah ouais, hein, j'ai mal aux pattes maintenant. Malin, ça, tiens. Bon, bah ok, on peut pas dire si vraiment j'ai gagné ou pas le premier combat. Hein. Pour l'instant, bon, c'est pas ça. Hein.
things got a little crazy out there. But I want to let you know you looked impressive. So impressive that the WWE has decided to give you a contract. Sign this and you'll be starting your career at NXT. C'est cool. Donc date de début le 1er avril 2015, description du poste superstar de la WWE, salaire 1250 VC par semaine. Ok, bah c'est cool, c'est cool, c'est chouette. Contenu à débloquer 1 sur 101, trophée 2 sur 42. Ok, d'accord. Félicitations pour ton contrat à WWE, Bilal. Mais ça, c'était la partie facile. Maintenant, tu vas devoir disputer quelques matchs au Performance Center. Ok. Pas de soucis. Si je dois montrer ce que je veux, au moins, y'a pas de problème. Je suis là. Bon, les téléchargements sont toujours aussi longs, hein, par contre. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est un mec. Je te mets une belle petite musique derrière. Alors, Bill Demott, le plus important pour toi, c'est de devenir fort. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'améliorer tes attributs. Tu dois commencer par apprendre pour comment renforcer un attribut. Sélectionne attribut. Ok, bah juste là, c'est pas compliqué. Donc attribut. Chaque attribut rend ta superstar plus forte. Oriente L vers la droite pour augmenter l'attribut de 1. Plus tu as de PA, plus tu peux améliorer un attribut. Une fois ton ou tes attributs améliorés, sélectionne accepté. Tu ne peux pas quitter cette page avant d'avoir amélioré un attribut. Ok. Alors, puissance bras, jambes, résistance tête. Pour l'instant, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Hein. Tout simplement. L'agilité. Ah ouais, on a 2000... On a 2000, d'accord. Et ça coûte 5 PA. D'accord, ok, bah c'est cool. Dans ce cas, on pourra bien améliorer. Moi, l'agilité, je trouve ça important, personnellement. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre autrement? Régénération d'endurance, ça peut pas être mal, ça aussi. Hein. On met ça à fond, tant qu'à faire. Non, t'as pas à fond non plus, mais... Et régénération de santé. Je pense que là, pour l'instant, ça va être les deux choses un peu principales hein, qu'il va falloir monter. Bon, l'endurance un petit peu aussi. Et pour le reste, j'améliorerai ça le reste après. Parce que bon, si on est super fort, mais on a aucune endurance, il y a aucun intérêt, quoi. Oui, je confirme. Tu viens d'améliorer ton premier attribut. Plus tu gagneras de matchs, plus tu obtiendras de PA. Dans les prochains matchs, nous te révélerons comment gagner un maximum de PA au cours d'une rencontre. Maintenant que tu as amélioré ta superstar, passe à ton prochain match en sélectionnant prochain match. Ça va, c'est pas compliqué pour l'instant, hein. ça reste calme. Ok, bah prochain match, c'est parti. Bon, je pense qu'on va être encore en... The easiest way to earn SP is simply by winning a match. In this match, I want you to focus on beating your opponent with strikes and holds. Once he is weak. Ok, donc là faut gagner par tomber par soumission. C'est quand même assez mou, je trouve, au départ, hein, quand même. Mais bon, on se doute bien qu'à force, ça va être beaucoup moins mou. Oh, ah, il ressemble un petit peu à Rey Mysterio, je trouve. Bon, c'est pas Rey Mysterio, ça, on s'en doute bien. Mais il ressemble un petit peu, je trouve, quand même. Putain, c'est chaud, ça. Hop là. Allez. Allez, Bilal, fais-lui quelque chose quand même, je sais pas. Allez, voilà. Putain, il tape à côté, Bilal, hein. Je me suis cassé la gueule, chef. Merde, trop tôt. Trop tard. On va peut-être trouver un juste milieu. Non, tu as quand même pas commencé à tomber là maintenant, mon garçon. T'as rêvé. Putain, mais j'arrive pas à me relever. Allez. Oh putain, mais c'est pas possible ça. Allez, Bilal, s'il te plaît, Bilal, lève-toi. Ok, c'est pour se lever, pour retomber, y a aucun intérêt. Ah, ça m'énerve quand ça se passe comme ça. Allez. Voilà, on va le... Voilà, un petit contre, ça fait toujours bien. Franchement. Allez.
Putain, mais c'est pas possible, il contrôle tout ce que je veux faire. Voilà. C'est pas possible. Ah la vache. Et là, faut que je gagne absolument par tomber ou par soumission. Trop tôt. Ah putain, il me brise le dos, quoi. Il me brise le dos à force, quoi. Ah ouais, tu commences à tomber maintenant, toi. Dégage. Non mais oh, t'as cru quoi? Bon, Bilal, s'il te plaît. Voilà, on va lui remettre les idées en place un peu. Ah mais non! Dites-moi par commentaire ce que vous pensez de Bilal. Bah physiquement, parce que pour l'instant, je peux pas vous demander autre chose vu qu'il n'est pas beaucoup amélioré, etc. Donc... Voilà! Non mais oh! Hein, mon garçon? Voilà. Allez, une petite soumission. Ouais, c'est pas les 4 miennes, mais ça m'étonnerait vraiment qu'elle tienne. Allez, hop, c'est pas grave, tant pis. Ça sera pour la prochaine fois. Allez, on recommence. Bon, les cordes sont vraiment pas loin, voilà, ça me semblait. C'est ce qui me semblait. Ah putain, mais il m'énerve avec ces contres là. Voilà. Allez, viens par là, toi. Ça, ça prend pour tous les contres que tu m'as fait. Que tu m'as cassé les couilles. Allez, lève-toi un peu. Allez, voilà. Voilà. Allez. Bizarrement, on reprend la main du... La main du match. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux dans ces sens-là, non? Franchement. Ah ouais, mais non, 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 non. Trop tôt. Et on va faire un tombé, ça je le sens. Trop tard. Ah putain, j'ai du mal à appuyer comme il faut. Voilà. Voilà, ça c'est beaucoup mieux comme ça. Bon, on va essayer notre premier tombé. Non. Moi, étonné, c'est que la première fois ça marche directement. Et il n'est pas encore réussi à épuiser notre ami El Hondero. Bah, ça, je ne vous ai pas présenté notre ami à côté. Bon, il suffit de regarder en bas à droite, hein, vous avez le nom de toute manière. Ouais, les pattes touchent. La pâte touche. Allez, voilà. À mon avis, il faut que la barre en bas à droite, vous savez qu'elle est rouge, là, faut vraiment qu'elle soit en bas, au maximum. Allez. Ça le fatigue, hein. Ça le fatigue vraiment. Vous voyez, en bas à droite, vous avez le schéma corporel de El Hondero. On voit qu'il aime pas ça. Hein. On voit qu'il aime pas ça du tout. Hein. Allez, on lâche. On lâche, ça tient pas. Aïe! Merde. Ah putain. Voilà. Voilà. Bon là il est quasiment mort, hein. Franchement, à mon avis, je lui laisse pas grand chose à vivre. Voilà. On va continuer un petit peu. Toujours à faire... Ah, soumission, elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Voilà. Soumission. C'est quand même beau, ça. Emporte par soumission. Voilà, vous avez une belle vue de Bilal en même temps.
Résultat très bon. Bon, j'aurais pu faire mieux quand même, hein. Alors, bon, en même temps, c'est le début, hein. Faut pas non plus demander beaucoup. Et du coup, au départ, quand on commence, en fait, quand on crée le personnage, on choisit un peu l'écurie où qu'on va. Donc, il y avait le choix entre NXT et d'autres. Je vais pas envie de vous dire tout non plus, parce qu'après, je sais pas si on va avoir d'autres opportunités, mais bref. Et moi, je choisis NXT. Voilà, parce que c'est tout simplement une écurie, j'ai jamais été dans les autres saisons WWE. Parce que j'ai joué aux autres saisons. Hein. Donc voilà, donc tout simplement j'ai voulu changer d'équipe, enfin d'écurie. Donc prochain match. Move variety is the key to a memorable match. The more times you repeat a move, the less SP you will earn. So keep your matches fresh by trying to vary your offense with different moves. Signature moves and finishers are different from all other moves. You actually gain more SP the more times you use a signature move or your finisher. These type of moves excite the crowd, so use them as often as possible. Donc là, faut que je fasse une prise avant deux fois. Faut que j'exécute un coup final, un coup spécial, excusez-moi, et un finisher. Bon, ça devrait être faisable, je pense. Ah, nous avons changé de personnage. Nous sommes face à Rich. Voilà. Ah, dommage. Dommage. Oh putain, mais il m'enchaîne, le garçon. Pourquoi ils m'attaquent tous sur le dos? Pourquoi ça c'est des coups sur le dos? Faut m'expliquer ça. Voilà. Non mais oh. Franchement, j'en ai marre, moi, de me prendre toujours dans le dos. Hein. Ouais, je pense pas que le tomber était vraiment... C'est vraiment obligatoire, entre guillemets, parce que... Allez, on retente un petit peu pour la faiblir un petit peu. Voilà. Faut que Bilal absolument prenne le contrôle du combat dès le début. C'est le mieux à faire. Ah, il m'a contré. Allez, moi je te contre aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Mais franchement, niveau graphique, ils sont vraiment améliorés. Hein. Parce qu'avant, on avait des graphismes qui étaient quand même beaux à l'époque. Mais là, c'est quand même de plus en plus beau. Et c'est vrai que ça fait toujours autant plaisir. Quoi. Après, moi, j'aimerais bien voir aussi quand on aura du public, etc. Et tout, voir comment ils ont mis public, quoi, les pancartes, etc. C'est vrai que c'est quelque chose, bon, voilà. Toujours agréable, et puis ça fait partie aussi du catch, hein, tout simplement. Hein. Là, j'essaie vraiment de l'affaiblir. Hein. C'est vraiment ça, pour ça que je fais énormément de soumissions, etc. et tout, pour l'affaiblir à max. Voilà, comme là. Ah non, il est d'accord, c'est mort. Voilà. Je m'en doutais. On l'affaiblit quand même pas mal, hein, je trouve. Hein. Franchement, là, là, on est vraiment bon. Ouais, par contre, si tu pourrais juste... Bah non, mais non, mais il y a la corne, Bilal. Réfléchis un petit peu. Aïe! Ça fait mal, ça! Fils de pute, là. Franchement... Voilà. Là, je commence à maîtriser un peu plus les contres. Donc tant mieux. Voilà. Je sais pas par contre s'ils ont mis vraiment le sang, etc. et tout. Vraiment un peu plus réaliste, ouais, c'est comme ça. Je sais pas.
Ah putain. Ah je l'ai contré, il m'a recontré quoi. Aïe. Mais putain, mais lâche-moi. Mais lâche-moi, putain, on tenait bien le combat en plus là. Allez, voilà. On met les choses en place. Alors. Ah ouais, déjà tu tiens beaucoup moins bien que tout à l'heure, hein. Ah mon garçon. Ah il a réussi à avancer. Ah mon garçon, t'as réussi à avancer. Hein. Allez, on ramène au centre. Bon bah lève-toi, je sais pas, fais quelque chose quoi. Putain, il va me faire mal. Il va me faire mal, ce con. Ah, putain. Je vois en bas, les... c'est marqué 89%. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est par rapport, justement, au coup spécial finisher. À combien de pourcents on est rendu avant de l'avoir. Ou pas. Putain. Ah, puis il va pas bien mort, ce con. On va voir ça quand on sera à 100%. Aïe. Et on a 96%. Et lui, c'est que la tête qui prend quand même chez moi. Merde. Oh, il commence à déstabiliser pour Bilal. Ah, il est à côté de la plaque, Bilal. Non, mais t'as rêvé, toi, mon garçon. Dégage. Franchement, tu bouges, quoi. Bon, Bilal, par contre, si tu pourrais te lever, ça serait vraiment chouette de ta part. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, dès qu'on arrive à 100%, on a le coup spécial. Voilà! Et un finisher qui va suivre. Ouais, c'est cool ça. On va aller directement au finisher, de toute façon. Allez. Allez. Et voilà! Voilà! C'est ça qu'on veut! Tranquille, tranquille! Bien joué, Bilal. Bon, bah voilà, deux matchs gagnés. C'est toujours plaisir. Et en plus, en excellent, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand même. Hein. Exister un coup spécial avec succès au moins deux fois. Au moins une fois, excusez-moi. Exister un finish avec succès au moins une fois. Moi, j'ai pas fait l'autre en fait. Enfin, deux prises avant. Bon, tant pis. Bon, bah voilà, les gamers. On a commencé cette aventure. WWE. Donc là, c'est le premier épisode. Je suis censé faire l'épisode très court, une demi-heure à peu près. Voilà, donc là nous sommes au deuxième épisode. Et deuxième épisode, bien sûr, deuxième combat. Et je vais vous laisser là. Et puis en espérant que bah, ce gameplay vous plaît, tout simplement. C'est un jeu qui n'est pas non plus sorti récemment. Hein, mais voilà, j'ai pas pris le temps, on va dire, de l'acheter. Et j'ai pas pris le temps d'y jouer. Donc là j'ai pris un peu le temps. Et bah, ça me plaît, hein, tout simplement. De toute façon, moi je joue que au jeu qui me plaît. Hein, c'est un peu le but. Hein. Je pense que si vous propose des jeux qui me plaisent pas, il n'y a pas grand intérêt et puis ça va se voir de toute manière. Voilà. Donc bah écoutez, bah passez une bonne soirée les gamers et puis à bientôt sur Juste Gaming, soit pour la suite de WWE, soit pour d'autres vidéos. Voilà, allez à bientôt.